Et quand je pleure de bonheur, Marie, en recevant le Fils de Dieu, je me rappelle Élisabeth et sa chanson remplit mon cœur pour mes retours à Nazareth. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Bonjour et bienvenue à ces rencontres mariales. Le chant du début de Robert Lebel nous disait, par exemple, « Quand je ne sais plus trouver les mots. » Et Seigneur, que c'est souvent notre expérience. Hein. C'est l'expérience de Marie aussi. C'est à Nazareth. Elle priait le Dieu caché, le Dieu effacé, le Dieu silencieux, comme nous à certains jours. On peut se demander quand est-ce que Marie a commencé à prier Dieu en s'adressant au Père par Jésus-Christ, comme nous le faisons à chaque prière. Peut-être qu'elle a commencé à s'adresser au Père par Jésus, son Fils, à Cana. Nazareth fut vraiment, en tout cas, son école de la prière. C'est là que nous imaginons sa vie, toute simple, la vie ordinaire, qui devait lui sembler à certains jours monotone, grise, la vie ordinaire où il ne se passe plus grand-chose, à tel point que nous risquons de ne plus voir le mystère de Dieu et ses promesses à l'œuvre dans nos vies. Marie vivait sur la terre. Elle ne vivait pas dans les nuages. C'était une femme humble. Elle ne vivait pas à Rome, la triomphante, ni à Athènes, la savante, ni à Babylone, la superbe, ni même à Jérusalem, la supposée sainte ville. Marie vivait dans une petite bourgade inconnue, Nazareth. Eh bien, avec Marie de Nazareth, nous prions la vie ordinaire, nous aussi. Nous prions la foi ordinaire, la vie de foi de tous les jours, où grandit la sainteté dans les besognes, les travaux journaliers qui ont l'air de rien. La vie de foi vécue dans les petits gestes, sans éclat, sans tapage, sans publicité. Oui, Marie, nous disons salut, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, à Nazareth, prie pour nous. Amen. Avec Marie et comme Marie, nous prions, oui, les petits gestes qui ont l'air de rien, un appel, un courriel, un coup de téléphone, une visite à un malade, un moment de prière que l'on offre, même si l'on croit qu'il est mal fait. Même si on dit qu'il est plein de distractions, tu es l'accueil, tu accueilles notre prière. Nous prions la vie de foi enracinée dans le travail apparemment banal. À Nazareth, nous prions la vie de foi au milieu des épreuves,
accueillie en silence comme Marie, de qui Saint-Luc écrit qu'elle méditait dans son cœur tous les événements de la vie de son bien-aimé Joseph, la vie de son fils Jésus. Voici un beau texte d'André Beauchamp intitulé « Je vous salue, Marie ». Je vous salue, Marie. Voici 20 siècles que les femmes et les hommes vous admirent et qu'ils s'étonnent des merveilles que fit le Seigneur pour vous et par vous à tous les humains de la terre. De vous, nous ne savons presque rien, ni le lieu, ni l'heure de la naissance, ni le détail des travaux et des jours, ni si vous chantiez, ni si vous dansiez. Qu'avez-vous donc fait, Marie, pour qu'on vous dise, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous? Quel est le mystère qui a commencé en votre chair et qui n'en finit plus d'émouvoir toute chair pour que, grâce à vous, toute chair puisse voir le salut de Dieu, pour que toute vie soit illuminée et garde en elle un éclat divin? Je vous salue, Marie. Vous avez recommencé le monde. Vous avez purifié la chair du monde. Vous avez fait de notre vie le berceau de Dieu. Et notre siècle, qui en a tant vu, qui prétend tout connaître, tout pouvoir, pour qui n'existe plus de surprise, le voilà qui s'émerveille devant vous. Il vous prie humblement de le conduire aux sources du mystère et de reconnaître le Fils béni de vos entrailles, Jésus, notre Maître et notre Sauveur. Salut Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Mes amis, l'école de la prière de Marie passe par Nazareth. Et à Nazareth, Marie a reçu dans la solitude et le silence le message de l'ange « Réjouis-toi ». Elle a été bouleversée au point de dire « Comment cela va-t-il se faire ?» À Nazareth, elle a appris que le nom de son enfant serait Jésus, qu'il serait le sauveur du monde. Elle a reçu la promesse de l'assistance de l'Esprit-Saint, la bonne nouvelle de la maternité d'Élisabeth, et c'est toujours à Nazareth, elle s'est abandonnée à ce Dieu qui rien n'est impossible. Elle a vécu dans l'intimité de Jésus, de Joseph, de son fils Jésus, qui travaillait avec Joseph dans la boutique. Elle a vu grandir son fils en âge et en sagesse devant Dieu et devant les hommes. Elle l'a vu en prière. Prions un psaume que Jésus, Joseph et Marie ont sûrement prié dans la Sainte Famille ensemble. Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. Après toi languit ma chair, terre aride, altérée, sans eau. Je t'ai contemplé au sanctuaire. J'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie. Tu seras la louange de mes lèvres. Toute ma vie, je vais te bénir. Lever les mains en invoquant ton nom. Comme par un festin, je serai rassasié, la joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Dans la nuit, je me souviens de toi.
et je reste des heures à te parler. Oui, tu es venu à mon secours. Je crie de joie à l'ombre de ses ailes. Mon âme s'attache à toi. Ta droite me soutient. Marie de Nazareth, comme autrefois, un jour, nous prions nos joies de croire. Un autre jour, nous prions nos difficultés de croire, nos bouleversements intérieurs, nos questionnements profonds sur le sens de notre vie, sur la confiance en l'avenir. Et à la suite de Marie, nous avons accueilli dans la foi la mission que le Seigneur nous a confiée. Nous avons reçu tant de fois l'aide de l'Esprit-Saint et comme elle, nous avons dit dans la foi qu'il me soit fait selon ta parole. Amen. Et quand je pleure de bonheur, Marie, en recevant le Fils de Dieu, je me rappelle Élisabeth et sa chanson remplit mon cœur pour mes retours à Nazareth. Je vous salue, Marie, comblée.